pas question, a priori, pour Nicolas Sarkozy et Angela Merkel de prononcer le mot « eurobond » lors de leur rencontre demain à Paris. La chancelière allemande et son gouvernement ne croient pas à la pertinence des eurobonds, des obligations qui seraient émises en commun par les pays de la zone euro. Le président français, pour préserver l'unité franco-allemande, préfère sans doute rester sur la réserve. Nous pensons que les eurobonds seraient une mauvaise voie, a déclaré ce lundi le ministre allemand de l'économie. Ils puniraient les pays qui ont fait leur devoir, qui sont économiquement forts, comme l'Allemagne, des pays qui jouissent d'une bonne solvabilité et qui, grâce à cela, profitent de crédits à taux bas. La menace sur la zone euro a pris de l'ampleur. L'Italie et l'Espagne ont subi ces derniers jours de virulentes attaques sur les marchés. Et ces deux pays verraient la création d'eurobonds d'un bon œil afin de partager la dette au niveau européen. La France, qui n'est pas à l'abri, peut-être aussi.